Bien, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on est toujours au bord du lac des Daguets pour cette dernière manche du championnat de France individuel. Donc, manche décisive avec beaucoup de suspense et surtout une météo, comme vous pouvez le voir, qui est pas très favorable. Un petit crachin, la température est assez basse. Par contre, il y a du vent. Peut-être que ça va faire rentrer un petit peu les poissons blancs, on peut l'espérer. La première manche vient tout juste de débuter. Pas mal de pêcheurs se sont mis aux poissons-chats, mais visiblement les poissons-chats ont l'air un peu moins mordeurs que hier. Donc encore une fois, on peut espérer peut-être que Gardon et Brême vont se mettre à mordre et on peut s'attendre encore à des scores élevés. Alors comme je l'ai dit, il va y avoir beaucoup de suspense aujourd'hui parce que il y a des matchs très intéressants. Alors dans le premier secteur, on a en particulier Christophe Gazanois qui est au numéro 14. À deux places d'Antoine Bérény. Donc tous deux jouent le titre et ils vont pouvoir se suivre de très très près. Dans le secteur du milieu, on a là par contre Arnaud Dupin qui est en tête au classement provisoire avec 2 points, qui est au numéro 2, une place qui a été assez difficile le premier jour, mais bien meilleure le deuxième. Donc peut-être que les poissons vont rentrer et encore une fois, le vent va sûrement faire bouger le poisson aujourd'hui. Et il va être aux prises, alors carrément à l'opposé dans le secteur, au numéro 15 à l'aile, à Jacky Mardelet, un grand spécialiste du chat et des brèmes. Donc aujourd'hui, il va peut-être être aussi à son aise. En plus, c'est un temps breton, donc ça devrait lui convenir. Et dans le dernier secteur, donc le secteur du bout, il y a pas mal de prétendants au titre. Il y a Alain Duhouimil, qui est à l'aile du secteur, tout à fait au bout. Alors par contre, il a fait 2 pêches de gardon sur les 2 premiers jours. Mais aujourd'hui, je crois qu'il va devoir falloir se mettre au poisson-chat. Ce n'est pas forcément son poisson préféré, mais à ce numéro, je pense qu'il devrait pêcher principalement le poisson-chat. Et dans son secteur, il y a aussi Manuel Gouilleux, qui est au numéro 6, le milieu du secteur, qui a très très bien marché pendant les 2 manches. Donc il va falloir le suivre de très près. Et le jeune Léo Monsigny, juste à côté au numéro 5, qui pourrait très très bien monter sur le podium, il va falloir le suivre aussi. Et Jimmy Martin, qui nous a fait une très très belle manche hier avec des poissons-chats et des carassins à l'anglaise, qui sera au numéro 2. Donc on va suivre ça de très près et puis on vous tient au courant.
Bien, écoutez, c'est la dernière manche du championnat de France. Il a fallu attendre le dernier secteur, le dernier numéro pour savoir qui était champion de France. Et le champion de France, il est à côté de moi, c'est Alain de 8000. Alors d'abord, félicitations à toi. Merci Tu nous as beaucoup. fait une magnifique démonstration pendant deux manches avec du gardon. Et aujourd'hui, par contre, tu nous as pris que des poissons-chats. Ah oui, ah ouais, effectivement, aujourd'hui, que des poissons chats. J'avais un mètre, plus d'un mètre de fond, de différence avec les autres manches. Et donc, il n'y avait que des poissons chats dans les grands fonds. Voilà. Tu as prêché quasiment qu'à la canne ou est-ce que tu as commencé un petit peu à l'anglaise et ensuite à la canne? Non, bah, je savais ici, hein, je m'étais renseigné auprès des locaux, puisque je n'avais pas pêché cette partie de secteur. Il y avait plus de 8 mètres de fond là-bas. Donc, à mon avis, c'était trop profond. Et je pense que, vu le temps, en plus, l'eau devait être froide. Donc, j'ai pas pris cette option sur cette manche-là. Alors au final, tu finis troisième de ce secteur et vous vous êtes tiré quand même une bourre à distance avec Antoine Bérény. Il a fallu attendre vraiment le dernier moment pour savoir que lui aussi faisait troisième de son secteur. Donc au final, tu remportes le championnat avec un point d'avance sur lui. Je répète, c'est ton deuxième titre. Il me semble que ton premier titre, c'était aussi avec des poissons-chats, non? Alors, bah, mon premier titre, non, c'était avec des gardons. C'est avec des gardons. Donc faux. C'était sur 6 manches, donc là, Ah, c'est ça. ça avait été pas trop mal. Hein, puisque j'avais fait 13 points sur les 6 manches. Ça s'était bien passé. Bon, ici, j'ai loupé quelques championnats de France, là où j'étais à chaque fois à la porte, où il y avait une manche qui allait pas, notamment Choisy-le-Roi, ou bien même à Lille. Qui fait que ben, j'ai jamais réussi à gagner depuis. Donc là, je suis très très satisfait, très content. J'imagine, en tout cas, la saison 2017 se termine bien. Vous avez fait un magnifique championnat du monde en Belgique, donc tu vas revenir à nouveau avec une médaille autour du cou. Encore une fois, félicitations et puis à tout Merci à l'heure beaucoup. au podium. Bravo Merci Alain. bien. Ciao. Merci.